The Truman Show est un film américain du réalisateur australien Peter Weir, sorti en 1998 avec Jim Carrey dans le rôle de Truman et Ed Harris dans celui de Christophe. Le scénario est écrit par Andrew Niccol, réalisateur néo-zélandais de Bienvenue à Gattaca, Simone ou Lord of War. Le film s'inspire, sans le dire nommément, d'un des romans, Le Temps désarticulé, du célèbre écrivain de science-fiction Philip K. Dick, dont il reprend l'idée de départ. Auteur de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, adapté au cinéma par Ridley Scott sous le titre de Blade Runner. Le film est une œuvre dystopique, le thème d'un monde idéal se transformant en cauchemar. Il est à cet égard une variation des romans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou de 1984 de George Orwell, Monde totalement contrôlé, héritage provenant des récits de la Renaissance comme La cité du soleil de Campanella, L'utopie de Thomas More ou encore La nouvelle Atlantide de Francis Bacon. On peut aussi le rapprocher de la série télévisée Le prisonnier. Toutes ces références convergent non seulement vers la perte de l'humain, de l'indistinction du rêve et de la réalité, ou la remise en question du statut de la réalité ou de l'identité réelle de l'homme dans le monde, versant idéaliste de l'allégorie de la caverne dans la République de Platon. Don Quichotte de Cervantes, où la vie est un songe de Calderon, ou bien encore les films comme Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick ou Belle de jour de Louis Buñuel, abordaient déjà le même thème sous des angles différents. Il s'agit du sujet majeur de The Truman Show, dont l'apport est de le placer dans l'univers aseptisé des médias mondialisés. Le film prend place dans un contexte particulier. Les années 1920 à 1930 avaient vu l'emprise croissante des médias, la radio, le cinéma. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, la télévision a pris le dessus. Il est symptomatique que cette emprise des médias va de pair avec l'apparition des totalitarismes et de l'enrôlement du sujet dans des masses agglutinantes. Les grandes idéologies totalitaires, stalinisme ou nazisme, ont tout de suite compris l'impact que ces médias, par la technique et la vitesse de propagation, avaient sur les consciences. Avec l'apparition de ce qu'on a appelé la société de consommation et celle du marketing et de la publicité basée sur l'émancipation de l'individu, la démocratie libérale a étendu son emprise sur les personnes en renonçant à l'autoritarisme mais en promouvant un nouveau type d'individu par l'intermédiaire de la télé-réalité, du divertissement et d'un climat enjoué et souriant. C'est dans ce climat que prend place le film au début du XXIe siècle. Il évoque l'existence de Truman, cadre d'assurance marié à une infirmière nommée Meryl, sur le ton de la comédie, angle en adéquation avec le style de vie tranquille représenté par la petite ville américaine balnéaire, baptisée du nom de Sea Haven. En fait, une île, gigantesque coupole géodésique mixte entre le parc d'attractions et le camp de concentration. La mise en scène de Weir et la photographie propre de Peter Bisio, avec ses cadrages harmonieux et lumineux, son montage classique, joue de cet aspect. Tout a l'air propre et souriant. Il fait beau, facticement beau. La mise en scène, logiquement, ne doit pas être fragmentée, caméra à l'épaule, style documentaire, mais au contraire se confondre en tant que représentation avec cette imagerie idyllique de l'ancestral mythe du paradis, comme l'indique le nom de l'île. Le cinéaste ne joue jamais d'un quelconque suspense concernant la vie de Truman. Dès le début, en un montage alterné, il montre des personnes qui s'adressent à nous comme si nous étions des téléspectateurs. Mise en abîme évidente et terrible concernant le spectateur en face du film de Peter Weir. On y parle d'ailleurs de la perte de la frontière entre vie privée et vie publique, thème fondateur du film. Et une femme s'en réjouit, Mary. For me, there is no difference between a private life and a public life. My life is my life, is the Truman Show. The Truman Show is a lifestyle. It's a noble life. It is a truly blessed life. The Truman Show nous montre d'emblée la manipulation affective et psychologique dont est victime Truman, système logique dans une société qui a fait de la transparence son idéal ultime. Le comble est que tout fonctionne à découvert et que ce monde accepte de prendre un être humain comme cobaye au point qu'un réalisateur a fait de sa vie une fiction pour l'élaboration 24 heures sur 24 d'une télé-réalité à l'échelle planétaire. Son existence est une fiction.
et l'île est une construction bâtie pour un immense jeu télévisé dirigé par Christophe, le réalisateur, placé en haut du studio dans une lune factice. Tous les proches dans la vie de Truman, Meryl, sa mère, ses collègues de travail, son meilleur ami Marlon, sont des acteurs qui jouent un rôle. Depuis sa naissance, sa réalité n'est qu'un gigantesque plateau de tournage. Lui seul l'ignore. Il est normal que Truman soit le seul à ne pas être au courant, car dans ce jeu, il doit être sincère, comme le voulait Christophe. Chacun sait que dès que quelqu'un a conscience d'être filmé, il surjoue ou se joue un rôle. We've become bored with watching actors give us phony emotions. We're tired of pyrotechnics and special effects. While the world he inhabits is in some respects counterfeit, there's nothing fake about Truman himself. No scripts, no cue cards. It isn't always Shakespeare, but it's genuine. It's a life. La suprême manipulation est de faire croire qu'on montre la vie réelle alors qu'il s'agit d'un show télévisé qui la dissimule tout en la simulant. Le produit, maintenant, c'est vous ou moi, l'intériorité humaine dans le fait qu'elle peut être modelée à notre insu pour nous faire admettre ce que nous sommes sans l'avoir choisi. Truman est un homme faux, un homme fictionnel dans cette réalité entièrement façonnée par les médias pour un jeu télévisé. Truman n'est-il pas d'ailleurs la contraction de Truman, qui signifie en anglais l'homme vrai ou l'homme véritable? Le terme de télé-réalité ne peut devenir qu'un faux monumental. Les deux termes, antinomiques par essence, se retrouvent accolés, symbolisant le mensonge devenu réalité. Truman mène sa petite vie tranquille et heureuse, sort de chez lui, des voisins lui sourient et lui disent bonjour. Il achète son journal et se rend à son travail. Cycle répété chaque matin. Il est observé, scruté, surveillé par tout un tas de caméras. Dans sa voiture, chez lui, dans sa cave, dans sa plus stricte intimité. Nulle part, il ne peut échapper à l'implacable surveillance. Sa vie privée est anéantie. Ce que nous perdons à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, comme le montre succinctement un épisode de la série Mr. Robot. Les États-Unis étaient un test case. Les Américains semblent le plus prêts à donner leurs vies à un box. Without hesitation, everyone jumped online. Welcome. You've got mail. Offered everything they had. Bank accounts, electric bills, medical records, DNA data, baby pictures. We staged the biggest coup in human civilization, and the whole world volunteered to take part, opted in, checked the box, and clicked I agree. Une série d'incidents va avoir lieu qui va miner cette représentation liftée du monde. Tout d'abord, un projecteur HMI qui tombe du ciel immaculé. Puis, Truman croit voir son père en clochard, épisode traumatique et fictionnel qui est une faille dans l'identité du héros, mais volontaire dans l'élaboration du scénario. Il est rapidement emmené par des inconnus, bien que Truman tente de le rattraper. Ce père était censé s'être noyé dans un accident de bateau quand Truman était garçon. Puis dans la vie de Truman, minutieusement élaborée comme une fiction, mais aussi bien réelle pour lui, une autre faille est la femme qu'il convoitait, Sylvia, mais que le scénario a écarté volontairement pour lui désigner Meryl, moins rebelle, que Truman a dû épouser. C'est la scène où il s'échappe avec elle sur la plage avant qu'elle soit embarquée par son prétendu père qui la fait passer pour folle. Là, elle lui révèle tout.
que sa vie est fictive et que tout ce qui l'entoure est un décor de théâtre. Truman, what do they want? Listen to me. Everybody knows that. Everybody knows everything you do. They're pretending, Truman. Do you understand? Everybody's pretending. Lauren, I don't know. No. My name's not Lauren. It's Sylvia. My name's Sylvia. Sylvia? Yeah. Lauren, sweetheart, not again. Hey, wait a minute. Who are you? I'm her father. What? I've never even Come seen on, him sweetie. Before. We're doing it. Please, honey. He's lying. Honey, please. Truman, please. No, don't listen no. to him. Hey, Everything I've on? Told you is the truth. Please. It's fake. It's all for you. I don't understand. And the sky and the Come sea, on, everything. La facticité de son mariage se révèle quand Truman tente de reconstituer le visage de Sylvia avec des figures de mannequins arrachées de magazines qu'il achète chaque jour au kiosque à journaux. Comme nous dans la vie, Truman ne réalise pas tout de suite le leurre. Mais tout d'abord, la radio de sa voiture qui se branche sur un régisseur qui organise le tournage et qui semble le suivre, Truman comprend. Il sort de sa voiture et ne va pas à son travail. Il effectue un tour complet dans l'entrée et ressort. Il regarde le monde autour de lui comme s'il comprenait tout le jeu de dupes. Que tous ces gens ne sont que des figurants. Il manque même de se faire écraser, mais saisit qu'il ne risque rien. Tout puissant, c'est le tournant du film. Il pénètre dans un immeuble et découvre qu'il y a un décor derrière un ascenseur. Il est expulsé manu militari. Il fuit. Can I help? Oh, yeah. I have an appointment at Gable Enterprises. They were bust. What's happened? Nothing. Just tell me what's happening. Got the poster. Il va voir son ami Marlon et tente de lui faire comprendre le problème. Bien que les comédiens fassent des tentatives pour l'en dissuader, il décide d'explorer le monde extérieur à Sea Haven. En particulier, il veut se rendre aux îles Fidji où l'on apprend que son ancienne petite amie Sylvia y vit. Truman ne peut quitter l'île et en fait tout pour l'y faire rester. On lui a inculqué la peur des chiens et la peur de l'eau suite à la noyade de son père. Quand il veut prendre un billet pour les îles Fidji, l'hôtesse lui déclare qu'il n'y a pas de place avant un mois. Il veut prendre un car pour Chicago, mais celui-ci tombe en panne. Peu à peu, Truman parle à sa femme de ses doutes et évoque une étrange répétition. What? I predict that in just a moment, we will see a lady on a red bike, followed by a man with flowers, and a Volkswagen Beetle with a dented fender. Truman, please. Look! Lady? Flowers and Truman, this is silly. There it is! There it is! There's the dented beetle! Yes! Il embarque alors Meryl à Atlantic City sur un coup de folie, mais on crée un immense embouteillage. Il se dirige vers la Nouvelle-Orléans, mais on déclenche tout d'abord un incendie
Puis on lui barre la route à cause d'une fuite d'une centrale nucléaire. Mais un agent de police le reconnaît et Truman s'enfuit dans la forêt avant d'être arrêté et ramené à la maison. Une fois Truman ramené chez lui, Meryl tente de le calmer. Elle lui annonce qu'elle va lui préparer un bol de mococoa et Truman lui demande à qui elle parle. Cela devient plus étrange quand, sous la menace, elle crie. Truman subodore qu'elle parle à quelqu'un et qu'elle est de mèche. No, I didn't talk. I wasn't talking to anybody. No. Truman, talk to me! I don't know anything. Please stop. Stay where you are. Truman? C'est alors qu'intervient son ami Marlon. Truman. Oh, thank God. Oh, thank God. Oh. Ils se rendent tous les deux sur une autoroute en construction et discutent. C'est la scène clé. You're the closest thing I ever had to a brother, Truman. I know that things haven't really worked out for either of us like we used to dream they would. La subversion ultime est bien l'ancrage affectif et intime que l'on a fait subir à Truman. La confusion entre réalité et fiction atteint son comble quand on dénonce le mensonge et que l'on ment ouvertement en même temps. Le mensonge intégral. Well, the point is, I'd gladly walk in front of traffic. The point is, I would gladly step in front of traffic for you, Truman. And the last thing I'd ever do is lie to you. And the last thing that I would ever do is lie to you. I mean, think about it, Truman. If everybody is in on it, I'd have to be in on it. I'm not in on it, Truman, because there is no it. You were right about one thing, though. I think it started all this. Il s'agit du père de Truman, subversion ultime après l'ami. On se rend compte que l'ancrage existentiel, humain et affectif est le meilleur moyen de taire la conscience critique, à la seule condition qu'il soit redistribué sous forme de représentation allégée ou de cliché qui phagocytera le monde réel. Button cam 3. Music.
make it up to you, son. I swear. Dad. Cette scène est capitale car tout le monde est pris à son propre jeu. Alors même qu'ils sont au courant de la manipulation, techniciens comme téléspectateurs sont émus et ont les larmes aux yeux par les retrouvailles. Or, ils savent pertinemment que tout n'est que décor et que le père de Truman est un faux manifeste. C'est dire que la séduction du kitsch possède une force considérable au point de mystifier celui qui la promeut ou ceux qui y assistent en parvenant à substituer le monde réel par un monde fabriqué alors que le processus a lieu sous leurs propres yeux. La simulation atteint son point ultime. Well done, everyone. Congratulations. Sauf ceux qui ont compris le mécanisme. Christophe. La seconde partie met en place le monde omniscient de Christophe au moment où Truman vacille. Christophe peut être vu comme une allusion au Dieu Tout-Puissant, mais ce Dieu existe, lui, et c'est un réalisateur de télévision. Christophe a tous les pouvoirs sur Truman, dont il a organisé tous les aspects intimes de sa vie. Sa marionnette n'est pas en bois, mais en chair et en os. Le réalisateur parle comme le ferait un dieu, par une voix qui descend du ciel et révèle la réalité. Le plan sur le ciel nuageux qui perce les rayons de soleil évoque explicitement la référence à Dieu. Christophe déclenche la foudre. Fait souffler le vent et la tempête déchaîne les éléments, ordonne au jour de se lever. En somme, il contrôle la nature. Comme Dieu, Christophe, par l'intermédiaire de la technique, voit tout et sait tout. Si on peut filer aisément la métaphore du rapport à la divinité, le film déplace subtilement le Dieu est mort de Nietzsche à un simple être humain. Façon de dire que, historiquement, les superstitions n'ont pas disparu, mais qu'elles se sont simplement déplacées sur l'être humain lui-même, dont on gère l'ego pour le divertir avec des fariboles, un jeu télévisé et l'illusion du paradis façon 21e siècle. Et dès lors, chaque homme aussi, enfermé dans sa subjectivité, est à son tour comme un petit dieu omnipotent, réclamant agressivement sa part de jeu et d'amusement pour oublier la vie, la réalité, afin de sortir de la condition humaine. Nouvelle religion. Au dieu du monde d'avant est advenu un dieu postmoderne qui, subtilité suprême, n'a plus les apparences de l'ancien dieu afin d'effacer ses anciennes traces sanglantes. Il est devenu proche, souriant et décontracté, tel un Steve Jobs, qui répand le divertissement comme un marchand de sable sur la planète entière. Christophe a embarqué non seulement une équipe de tournage, 5000 caméras, fait construire des décors, mais la vie de centaines d'êtres humains qui doivent accompagner la vie de son cobaye, jour après jour, nuit après nuit, devant intervenir à tout instant. Bien sûr, il embarque aussi ceux qui regardent la télévision dans le monde entier. Par quelques plans, nous voyons le public qui passe toute sa vie à regarder celle factice de Truman. L'homme dans son bain, il s'endort quand Truman s'endort. Les deux vieilles dames, les clientes du bar et même les autres cultures comme les Japonais qui n'ont aucune racine. Le système atteint son comble car en définitive, ce public ne vit rien de plus que Truman, aspiré qu'il est par une vie fictive qui allège leur vie, notre monde actuel. Cette séquence décrit l'immense supercherie orchestrée pour ce show. Christophe révèle que Truman était le premier enfant adopté par une production. Le show a généré d'énormes bénéfices. People forget it takes the population of an entire country to keep the show running. Since the show is on 24 hours a day without commercial interruption, all those staggering revenues are generated by product placement. That's true. Everything on the show is for sale, from the actors' wardrobe, food products, to the very homes they live in. And, of course, all of it available in the Truman catalog, and operators are standing by. Bien sûr, la publicité a un rôle important dans la vie de Truman.
La machine ne fonctionne pas que pour lui, mais pour faire de l'audience, pour vendre des produits insérés dans cette réalité fabriquée dans la vie quotidienne. Ses proches s'adressent régulièrement à lui en utilisant des slogans publicitaires. Le plus important n'est pas la publicité ou l'argent, mais le formatage symbolique et spirituel du monde entier. Christophe prétend que si Truman n'a jamais découvert ce qui l'entoure, we accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. Phrase terrifiante, mais juste. Il suffit donc de simuler un monde réel et de plonger le spectateur à l'intérieur pour qu'il l'adopte de tout son être. C'est alors que Sylvia intervient dans l'entretien et déclare que tout ce procédé est monstrueux. Et Christophe répond : The world, the place you live in, is the sick place. En réalité, le monde tel qu'il n'est pas. Il a encore raison. C'est ce qu'avait dit Étienne de la Boétie, l'ami de Montaigne, avec son livre « De la servitude volontaire ». La plupart des gens acceptent un monde factice, faisant rêver, plutôt que le monde réel qu'il faut comprendre pour être libre. Surtout à l'heure de la mondialisation. La fabrication d'êtres humains en série n'a plus l'aspect sinistre d'une dictature, mais d'un monde démocratique que la médiocrité majoritaire a élu et qui lui permet de se délester du fardeau d'exister. Ce paradis ludique, lumineux et scintillant cache sa part d'ombre, ombre devenue transparente et lumière publicitaire. Leurs yeux bleus, leurs visages doux et lisses, leurs sourires étincelants et leurs chevelures gominées ne cachent que la voracité du vampire quand leur marionnette charnelle échappe à leur méticuleuse surveillance. Ils se transforment dès lors en masses compactes, hargneuses et lyncheuses, lancées dans une impitoyable chasse à l'homme, chien aboyant en tête, pour ramener Truman dans leur parc d'attractions infantile. Future chasse à l'homme permise et citoyenne, Truman est devenu le bouc émissaire du Brave New World de Aldous Huxley. Voilà le monde réel qui attend Truman désormais. Il n'a effectivement rien à envier à Sea Haven. Comme toute marionnette, tel Pinocchio, celle-ci prend vie et se rebelle. Dès lors, la libération de Truman devient ambiguë. Si le film semble aussi traiter du contrôle total des individus, il ne joue pas la facilité à reconnaître le monde réel et le monde irréel comme aisément identifiables. Truman prend Christophe à son propre jeu, renverse le processus et se produit comme l'heure pour échapper à la surveillance douce et implacable de son maître. Il décide de quitter la ville à bord d'un bateau. Christophe s'en aperçoit et tente le tout pour ramener sa marionnette dans son paradis en toque. Il déclenche alors foudre, tempête, vagues et vents violents au point qu'il est prêt à la tuer devant des centaines de caméras. Et il n'est pas loin de réussir. Mais Truman résiste, combat ancestral de l'homme face à son créateur. Mais sa résistance ne l'amène pas à la liberté, mais à rejoindre le monde réel qui n'est qu'une copie de Sea Haven, comme nous allons le voir. Is that the best you can do? You're gonna have to kill me! What you gonna do when the drunken sailor wakes up?
studio and demand that you cease transmission. Keep running. We're doing the drunken sailor, and I am the morning. Increase the wind. Increase the wind! I am telling you for the last time. How close is it? Very close. Capsize him. Tip him over. Damn you, Victor! No, you can't. His tide is up to the boat. Shut up! He's gonna drown. He doesn't even care. Do it. Do it! Il se rend compte qu'il est enfermé et que le ciel de l'horizon est en fait une paroi peinte en bleu. Il n'est pas Ulysse qui, sur son navire, découvre la terre, mais se heurte à un décor. Il trouve une porte pour sortir de l'immense studio qu'il croyait être le monde. Cette ambiguïté devient de plus en plus évidente dans la scène principale de la fin. Rappelons-nous ce que dit Christophe quand il tente de persuader Truman de rester. Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies. The same deceit. But in my world, you have nothing to fear. I know you better than you know yourself. Le happy end du film est alors amer. Say something. Well, say something, goddammit! You're on television! You're live to the whole world! In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Car Truman va bien quitter un monde faux et illusoire pour un monde réel et factice, où les gens sont devenus des fantômes dans leur vie tout aussi fictif et fictionnel que Truman. Le plan final met en place la déconvenue de deux surveillants de parking en face de la fin du spectacle. Il s'agit aussi de la fin du film. You want another slice? No, I'm okay. What else is on? Yeah, let's see what else. Where's the TV? Monde fabriqué et monde réel se sont confondus, indiquant bien la réversibilité de l'un dans l'autre, à l'heure de la contamination de la sphère privée par la sphère publique. Le problème n'est donc pas seulement la transformation d'un monde par un autre, mais le rêve élaboré secrètement pour substituer la réalité à elle-même. Ce monde-là, comme tout rêve idéal où la réalité est falsifiée, ne peut qu'exclure, signer des pétitions pour bannir tout ce qui gêne. Crime parfait, où le réel ne peut plus être identifié à son original, mais à sa copie. Yeah.
Le film anéantit d'une manière métaphorique toute vision simplifiée de la réalité que nous pouvions avoir. Il pose une question ancestrale sur la véracité de notre condition en tant qu'être humain. Le titre, The Truman Show, résume à lui tout seul le paradoxe du film. L'homme vrai, mis en scène. Les spectateurs sont devenus des figurants de leur propre vie, reflet évident de Truman. Ils ont abdiqué de leur vie singulière pour contempler un show tout en croyant illusoirement être à l'extérieur alors qu'ils y sont bel et bien englués. Ce pourquoi nous ne sommes plus dans un monde d'aliénation, mais dans un monde d'émancipation et d'exhibition. Surtout que tout est explicite, mis sous les yeux de la planète entière, et le film est sans ambiguïté à cet égard. Comme l'écrivait Jean Baudrillard, décidément, aujourd'hui, il faut se battre contre tout ce qui nous veut du bien. Le film renvoie le téléspectateur du Truman Show et le spectateur du film lui-même à son irréalité existentielle fondatrice. Nous sommes dans le cas de figure typique du peintre qui dessinerait un trompe-l'œil et qui verrait le spectateur prendre la toile peinte pour la réalité et d'oublier ce qui était réellement réel, si l'on peut dire. Dans un dialogue avec son ami, face à un coucher de soleil sur la mer, celui-ci ne dit-il pas « Look at that sunset, Truman. It's perfect. Yeah. That's the big guy. Quite a paintbrush he's got. Une autre scène représente bien la facticité du monde quand Christophe, devant la disparition de Truman, suspend les moindres faits et gestes des figurants, cassant la mécanique idéale de la répétition du quotidien. L'apport de Truman Show est de situer son intrigue à l'âge de la mondialisation, de l'exhibition généralisée des individus à travers la télé-réalité ou les réseaux sociaux type Facebook qui l'annoncent. Bref, à une ère de surveillance accrue par les nouvelles technologies et la circulation à grande échelle de l'information. Un empire totalitaire soft et cool qui déguise son emprise par le recours au jeu, au divertissement en lieu et place de la pensée critique. À ce stade, le Big Brother de George Orwell n'est plus une puissance politique unique et cruelle qui surveille et voit tout, mais la multitude amicale et moite de tout à chacun, masse gluante et omniprésente, claquemurée dans sa subjectivité au point où celle-ci est la négation même du sujet. Big Brother is you. À l'heure de la fin des révolutions, la nouvelle utopie est la réalisation technique du monde, là où la vie est simulée, mais a réellement disparu. Vie qui n'existe plus qu'à travers les écrans du monde entier, où il s'agit de capter tout à chacun et de le formater sur le même mode, afin que personne n'y échappe et qu'il n'y ait plus aucun absent. La représentation filmique de Peter Weir met à plat le mécanisme de ce totalitarisme ludique et de proximité par l'un des seuls dispositifs encore possibles, l'art du cinéma. Utilisant les mêmes outils de la télé-réalité, caméra et angle de vue, technicien et opérateur, table de régie, il en démasque à travers une fiction toute la doublure, en dynamite tous les procédés. L'art de montrer la réalité à travers l'artifice, tout en renvoyant l'artificiel à son mensonge ultime. Le problème est donc bien au-delà de Sea Haven, de Christophe, de la publicité, mais plutôt dans la capacité humaine à fabriquer des mirages qui tronquent la réalité. Qu'en est-il donc de l'individu face à ce nouvel âge médiatique mondialisé? L'échappée de Truman est en quelque sorte ce que chaque individu se doit d'accomplir viscéralement pour être lui-même. Il n'y a pas de lucidité sans séparation. Alors, quand nous regardons le réel, que voyons-nous réellement? You want another slice? No, I'm okay. What else is on? Yeah, let's do what else. Where's the TV guy?